est là, il y a longtemps que je l'ai pas vu, et je ne savais pas où passer. C'est pour ça que j'ai été obligée de m'en aller. Et c'est ici que je connais. Et je l'avais pas. Bon, il est tout de suite. Tu veux tirer d'argent? Je crois qu'il fait, d'après Louis, il fait 215 kilos. On va se régaler l'année prochaine avant que je vous en Voilà, c'est pour éviter le temps. Oh, pardon. Voilà.
Voilà. C'est, on fait dans le durable. C'est ça l'écologie. Il y en a qui sont plus attirés par le postérieur que par l'avant. Gratter le cochon. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Nos jeunes d'abord, après les anciens après. Ça marche pas si c'est pas une dame. Mais le cochon est pas bien pour une dame. Pour une dame. Une dame. Voilà. C'est très bien. Bravo. Il y a 18 à ça en fait. 18 à ça. Ah non, mais lui, il connaît pas. Il faut vous laver les mains avant, hein, parce que si vous ne lavez pas les mains, c'est pas bon. Voilà, alors là on est en train d'extraire la colonne vertébrale. Voilà, et vous allez voir, après il va. Mais là pour le moment il allait à la découpe. Après il va le sortir délicatement de la queue jusqu'à la tête avec un torchon pour le maintenir et un couteau pour le couper. Et vous allez voir toute la longe. Il y a
Cette longe qu'on va donc manger les morceaux à midi, ça va se défaire tout à fait du cochon avec une facilité parce qu'il sait le faire. Voilà, oui, non, mais c'est le spécialiste que nous avons là. Hein. Voilà, il attaque là. Et là quand il va arriver au bout, là, il aura sorti tout le trinquet et un morceau du filet. Et là, il y a tous les os qui va sortir ici, donc vont servir pour le sac d'os, tout ça. Hein. Non, pas cela. C'est là. C'est après, lorsqu'il va attaquer les côtes. D'accord. Les côtes, c'est-à-dire qu'il va couper les côtes, il va extraire les côtes. Et ces côtes-là, ce qui attache les côtes, c'est-à-dire le sternum, c'est ça qui fait le fameux, qu'on appelle les bras ou en bâtoin, qui va devenir le sac des os. Parce que les côtes, vous les mettez en bocaux, non? Voilà. Les côtes, on les met en bocaux, on les coupe, on laisse tenir un petit peu de viande, parce qu'une côte, c'est une côte. Hein. Ouais. Il faut laisser un petit peu de viande, les mettre, les ranger dans un bocal, bien régulièrement, comme ça. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de mettre une couenne. Parce que la couenne du cochon, c'est ce qui fait la gelée que vous allez trouver dans le bocal. Voilà, on va l'applaudir très très fort. On va l'applaudir très très fort, c'est très très bien fait. Vous voyez que c'est un professionnel quand même, hein. c'est vraiment quelqu'un de très adroit. Et il fait ça. C'est le mot patois. Et alors, avec tous les morceaux sanguinolents là, qu'il est en train de pomper là, qui vont être enlevés, cela va, avec le poumon qu'il est en train de couper en même temps que le cœur là, ça va faire de la saucisse de courade, qu'on appelle la saucisse de mou. Là, le ventre n'est pas encore sorti là. Là ils sont en train de, voilà, pour le moment il est en train d'enlever le fiag, c'est-à-dire la vésicule biliaire qui donnerait un très très mauvais goût à l'ensemble. Voilà. Elle est pleine. Voilà, lorsqu'on était petit, on le gonflait pour en faire un ballon. Oui. Voilà, et c'était un de nos jeux favoris. Mais c'était pas avec ça qu'on faisait des blagues à tabac, non? Tout à fait, ça faisait des blagues à tabac. On le fait sécher, on faisait des blagues à tabac. Voilà, c'est sûr. Le ventre, on va aller le laver, ce que les personnes qui veulent voir comment elles font, elles vont se mettre à l'intérieur du chapiteau, je pense, non? C'est un petit peu impressionnant également, avoir lavé le ventre là. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours aller voir si elles le font comme il faut. Voilà. Alors là, maintenant avec une hache, ils vont partager pour que le cochon puisse s'étaler et sortir les autres morceaux au fur et à mesure que. Voilà. Donc il faut une masse et une hache donc pour faire. Bon, voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils ont coupé l'os. Et là maintenant ça va s'ouvrir gentiment devant vous là. Et là vous allez voir devant vous les deux jambons qui vont apparaître, parce que ceux qui vont faire le jambon salé après ou en rôti, suivant ce qu'on va en faire. La bruit du Caldaguès va interpréter quelques danses auvergnates, bien sûr, pour votre plus grand plaisir, et ça va encore se passer pour l'instant sur la place, du marché où nous sommes actuellement pour la découpe de ce cochon. Les enfants, vous connaissiez, tu connaissais ça, toi? Thank you.